Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Et si aujourd'hui vous découvrez cette chaîne YouTube pour la première fois, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche afin de pouvoir être informé librement dès la sortie d'une nouvelle méditation. Pour commencer, assurez-vous de ne pas être dérangé pendant le temps de votre séance et adoptez une posture confortable. Allongé ou assis, le dos bien droit, le corps est détendu sans tension. Les yeux sont fermés, les traits du visage relâchés, prêts à plonger complètement dans cette expérience méditative. Cette expérience qui va vous guider à lâcher le poids de l'anxiété, du stress ou des tensions que vous pouvez ressentir. Si ce n'est pas déjà fait, fermez vos yeux et la méditation peut commencer. Afin de rendre cette expérience agréable, et je vous propose de faire un petit exercice pour bien vous relâcher. Inspirez profondément par le nez, retenez la respiration quelques secondes, et expirez dans un soupir de soulagement. Faites cela 2 ou 3 fois à votre propre rythme. Maintenant, prononcez mentalement sur l'inspiration le mot calme, calme, et sur l'expiration le mot relax, relax. Et en même temps, au rythme de vos respirations, essayez de créer les sensations qui sont associées à ces mots. Calme, relax. Inspire, calme, je crée la sensation de calme. Expire, relax. Je me relaxe. Maintenant, scannez votre corps de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Prenez conscience de votre corps tout entier. Et remarquez chaque sensation présente. Traitez-les avec gentillesse et bienveillance. Évitez tout jugement ou pensée critique. Simplement conscient des sensations telles qu'elles sont. Conscient de ce que vous ressentez et de ce qui se passe dans l'instant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir.
à accepter ce qui se présente et augmenter votre concentration. Maintenant, sur le souffle suivant, dirigez votre conscience jusqu'à vos orteils, à vos orteils du pied gauche. Entrez en contact avec les sensations présentes dans les orteils de votre pied gauche. Si vous ne percevez rien dans cette zone, ce n'est pas un problème. Il suffit de garder votre attention sur les orteils du pied gauche, et de constater qu'il n'y a pas de sensation particulière. L'absence de sensation comme une sensation. C'est un peu comme écouter le silence et s'autoriser l'espace d'un instant à se concentrer d'une manière différente. Maintenant, passez doucement votre conscience à votre pied gauche. Maintenant, votre cheville gauche. Et votre jambe inférieure gauche. Votre genou gauche. Votre cuisse gauche. Maintenant, passez doucement votre conscience sur le bas de votre dos. Vers le milieu du dos. Vers le haut du dos. Maintenant, posez votre conscience sur vos doigts, sur les doigts de votre main gauche. Maintenant la main gauche. Rappelez-vous, nous observons sans juger. Votre bras inférieur gauche. Votre coude gauche. Votre bras supérieur gauche. Maintenant, déplacez votre conscience à vos épaules.
Et si vous ressentez une tension, reconnaissez-la et lâchez-la délicatement. Maintenant, expérimentez l'arrière de votre cou. L'arrière de votre tête. Le sommet de votre tête. Et votre visage. Maintenant, passez doucement au doigt de votre main droite. Puis votre main droite. Votre bras inférieur droit. Votre coude droit. Votre bras supérieur droit. Maintenant, observez votre cage thoracique et examinez les mouvements qui s'y produisent liés à votre respiration. Analysez votre respiration. Maintenant votre ventre. Maintenant votre bassin. Maintenant, le haut de votre jambe droite. Votre genou droit. Votre mollet droit. Rappelez-vous, vous êtes le témoin et non le juge. Votre cheville droite. Votre pied droit. Et les orteils de votre pied droit. Ok, très bien.
Revenez maintenant à la conscience de votre respiration. Vous respirez complètement et vous permettez à votre souffle d'aller et venir librement. Inspirez, expirez. Maintenant, quand vous inspirez, imaginez que vous respirez de la positivité, que vous respirez toutes les bonnes énergies de la vie. Et quand vous expirez, imaginez que vous soufflez toutes vos négativités. Inspirez de la positivité et expirez vos négativités. On va faire ça pendant 2 minutes environ. Très bien. Maintenant, remarquez comment vous vous sentez. Comment la positivité a rempli votre cœur, votre corps et votre esprit. Remarquez aussi la régularité de votre respiration et la paix intérieure qui est présente dans votre esprit. Maintenant, je vous propose, si vous le souhaitez, de partager les bienfaits de votre pratique et toutes les bonnes sensations et émotions que vous ressentez là maintenant. Imaginez quelqu'un qui pourrait bénéficier aussi de toutes ces choses. Et imaginez que vous partagez les bienfaits de votre méditation avec cette personne. Pour ce faire, rien de plus simple. On va utiliser la puissance de l'intention. Posez simplement l'intention de partager toute la positivité et toutes les choses, les sensations agréables que vous vivez là maintenant. Imaginez cette personne et imaginez que vous lui envoyez le calme, la paix de l'esprit, la détente ou toute autre chose. Posez, libérez cette intention. Ce désir sincère,
de partager ces choses avec cette personne qui en a besoin. Et faites confiance à l'univers, à la nature, pour faire ce qui doit être fait. Et comme nous le dit si bien la sagesse populaire, une bougie ne perd absolument rien de sa lumière en communiquant sa flamme à une autre bougie. Laissez grandir votre paix intérieure en la partageant ainsi. Et communiquez par votre attitude dans la vie de tous les jours, par vos comportements, votre calme et votre sérénité. Et lorsque vous serez prêt, redynamisez votre corps en bougeant légèrement les mains, légèrement les pieds. Ouvrez tout doucement les yeux. Et si vous le souhaitez, étirez-vous. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cette méditation vous a plu, partagez-la librement à vos amis pour que eux aussi en profitent. Et vous pouvez aussi découvrir le bonus offert en cliquant sur le i comme info en haut ou en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Namasté.